Mathilde Delarue, bonsoir Cécile. Bonsoir David, bonsoir à tous et on va commencer bien sûr avec les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur iTélé. On commence ce journal tout de suite avec ce match événement en football. La compétition pour le titre de champion de France est de plus en plus dense à 3 journées de la fin et ce soir l'OL, champion depuis 7 ans, affronte Marseille. Si Marseille gagne, l'OM prendrait la tête du classement et on va retrouver Gilles Amar justement à Marseille. Gilles, le match se joue au stade Vélodrome. Vous y êtes, quelle est l'ambiance ? D'importance. Le retraité allemand qui avait alerté la police cette semaine à Tarbes-la-Courneuve, un fourgon de police a été pris dans un guet-apens. Voilà, et puis je vous propose de voir ces images qui ont été tournées par notre reporter Sébastien Rioux à la Courneuve, toujours, de la descente de police qui a été effectuée cet après-midi. La bagarre a mal tourné hier soir, près de Valenciennes. Un jeune de 16 ans est mort de ses blessures. Il a été poignardé. Le récit de Lilia Melconian. Un tour à Cannes, où Pedro Almodovar vient d'arriver sur place. Le réalisateur espagnol vient présenter son dernier film qui a pour star Mouna Cannes. Et on part tout de suite avec le sport. Et vous, David ? Oui, merci Cécile.